Climat a été réuni en conseil interministériel. Au menu, des travaux, plusieurs affaires, dont des projets de textes législatifs et réglementaires ont été examinés. Patrick Simangoy, Roderick Simangoy. Le premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Raymond Donxima, et ses ministres présents sur le territoire national ont eu plusieurs heures d'horloge pour examiner 27 affaires inscrites à l'ordre du jour de cette réunion interministérielle, dont 11 projets de décret et 3 projets de loi portant réorganisation de l'autorité de régulation du secteur de l'eau potable et de l'énergie électrique, organisation de la direction générale du contenu local, de la direction générale du travail, du Comité national de facilitation du transport aérien, les autres projets de textes législatifs et réglementaires examinés par le gouvernement de la transition ce jour fixaient les règles de fonctionnement du système statistique national, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de la statistique et les conditions et les règles relatives à l'implantation, à l'aménagement, au stockage, à l'exploitation des dépôts et entrepôts de produits semi-finis, finis ou résidus. L'affaire numéro 8, aussi important que les autres examinées, concernait le projet de décret relatif au contrôle technique des produits pétroliers et gaziers, de la qualité des eaux, des boues et des huiles usagées issues des activités d'hydrocarbures, la mise en gestion libre de l'hôtel Relais Nyanga de Tibanga, le dialogue politique de haut niveau sur les semences exemptes des maladies, l'opération d'identification des organisations de lutte contre la pauvreté et l'implantation des bureaux du commerce et postes de filtrage des marchandises au port et aéroport ont également retenu l'attention du Conseil interministériel sous l'autorité de Raymond Donxima. 6 mois après sa mise en place, le gouvernement de la transition est toujours à pied d'œuvre dans le cadre de la restauration de nos institutions et l'amélioration du bien-être des Gabonaises et des Gabonais. Des progrès notables sont visibles. Le dernier acte concret en date, c'est l'arrimage des pensions retraite au nouveau système de rémunération effectif depuis le 1er mars, en cours il y a 5 jours à peine.